Madame, rien que cela, quelle femme êtes-vous? Hélas, je suis une femme avec les faiblesses qu'elle a, parce que pour mon métier, il ne faut pas avoir des faiblesses, des doutes et tout ça. Vous avez des doutes? Oh, tout le temps, tout le temps. Parce que vous voyez, dans notre métier, on veut. Moi, je sais ce que je voudrais, mais je ne sais pas ce que je fais. Vous l'écoutez, des fois. Et des fois, je crois que c'est horrible, et vous dites que c'est... Vous, je parle en général, vous dites que c'est merveilleux. Et voilà qu'on devient fou. Et alors, tout le temps, on a des peurs, mais pas peur du public. De ne pas faire justice à nous-mêmes, à l'art où on sert. Évidemment, c'est la solitude. Et vous n'êtes pas seul, souvent? Est-ce que c'est facile d'être heureux quand on est Maria Callas, tendue vers un tel effort? Il y a souvent, très souvent, que je suis heureuse. Surtout quand je vois qu'à travers les années, j'ai pu faire comprendre mon but, que c'était l'expression dans la musique. Parmi les notes, trouver la vérité. De voir à travers la musique. Ça, c'est la beauté. Et si, puisque j'étais la privilégiée de pouvoir parler et pouvoir être comprise par le monde et durer si longtemps, c'est très, très dur. Et on comprend et on était apprécié. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Évidemment, il y a des chagrins. Mais j'étais soutenue, et je suis soutenue par cette admiration, par des amis, par les admirateurs silencieux ou qui écrivent. Alors disons, soyons gais et soyons pleines de gratitude. J'ai eu de la vie comme carrière ce que j'aurais jamais imaginé de ma vie. Et alors, je ne peux pas vouloir de plus que pouvoir, au moins pour quelques années, terminer en beauté. Thank you.
C'est la même chose, redimensionner le tout, mettre en petit, l'autre en grand, c'est la même chose. Oui, ça c'est très beau ce que tu dis. Je crois que c'est très vrai, et ce n'est pas question de beauté. C'est question que chacun doit connaître bien son métier, quoi que ce soit. Parce que moi, vous dites que je suis grand, moi je ne m'en aperçois pas. Je crois que vous êtes des fous, que vous me faites tellement des compliments, pardonnez-moi. Parce que vous comprenez, qui fait ne peut pas comprendre. Et voilà la solitude, voilà la peur qu'on a souvent à dire, mon Dieu, comment je vais chanter ce soir, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, et comment je peux faire mieux que hier, et mieux que ce que je voudrais faire, toujours mieux. C'est un fouet terrible. Mais je ne peux pas échapper de là, je suis née comme ça, et je le referai de nouveau, mieux qu'avant, si c'est possible. Est-ce que vous êtes libre, finalement? Oh, je suis libre. Je suis libre parce que je ne fais pas de concessions. Je suis venue surtout parce que, ici à Paris, il y a quelque chose de spécial. Ils m'ont aimé de vrai amour, je les ai aimés, c'est vrai, depuis 1958. Et alors, c'était un plaisir. J'aurais mieux aimé pas avoir écouté tant sur moi, j'aurais aimé les amuser de plus, le public, mais je voulais remercier de tant de bonheur et de fidélité et de gentillesse. Eh bien, vous allez encore chanter une fois, parce que c'est le générique de fin. Merci.